Alexandre Vautravers nous rejoint, rédacteur en chef de la revue Militaire Suisse, consultant reconnu en matière de sécurité auprès notamment du canton de Genève. Vous allez revenir sur l'actualité brûlante de ces dernières semaines, de ces dernières heures, avec la montée en puissance des cyberattaques, et vous nous parlerez de protection des infrastructures critiques. À vous la parole. Il n'y a pas de câbles encore qui ont été coupés à la seconde où on parle, hein. Parce que selon M. Vernet, ça peut arriver même pendant la conférence. On nous coupe les câbles sous l'océan et puis c'est terminé. Tout le monde à la maison. Absolument. Alors merci beaucoup. Je suis sans voix. Je suis sans voix parce que la semaine a été longue et il s'est passé beaucoup de choses du côté de l'Ukraine. On m'a demandé de faire référence à cette situation-là. Et je pense qu'il y a des parallèles à faire. Il y a un certain nombre de points qui doivent nous intéresser lorsqu'on parle de cyberguerre et qu'on regarde sur les télévisions, lorsqu'on suit dans les journaux ou ailleurs dans la presse ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'il y a quand même certaines questions à se poser. Est-ce qu'on nous aurait menti ? Est-ce qu'on nous aurait menti ? C'est un peu une question qui a été posée tout à l'heure. Peut-être que la présentation va arriver, peut-être pas. Effectivement, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, on peut vous parler de chars de combat, on peut vous parler de 200 000 militaires, on peut vous parler de grandes opérations, on peut vous parler de technologie, on peut vous parler de logistique, d'artillerie, de à peu près toutes les armes possibles et imaginables, y compris les troupes sanitaires, la défense contre avions, etc. Mais on parle de tout, sauf de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas du cyber. Je voulais vous montrer une photo qui est une photo récente, qui est arrivée la semaine dernière et qui a été prise par un photographe qui, incidemment, travaille pour la revue militaire suisse, Guillaume Briquet. Peut-être que certains d'entre vous ont vu ces photos. Cette photo, vous imaginez que Guillaume Briquet, qui se trouvait heureusement seul dans sa Land Rover, qui a quitté la Suisse avec ses plaques genevoises, pour se rendre à Odessa, arrive à un checkpoint de l'armée russe et pour la première fois dans sa carrière, et il a pourtant baroudé dans un certain nombre d'endroits assez chauds, pas seulement chauds avec le sable, mais la Méditerranée et j'en passe, mais enfin dans toute sa carrière, il n'a jamais été pris pour cible directement et on lui a tiré dessus avec deux barrages qui ont ouvert le feu à la Kalachnikov et quatre impacts ont été recensés. Vous voyez un de ces impacts. Alors si jamais vous vous posez la question, ça c'est 5,45 par 45 mm, c'est le diamètre du trou qui a été fait par ce projectile de cette Land Rover de ce journaliste. Alors pourquoi je vous parle de cet incident et de Guillaume Briquet dans sa Jeep tiré dessus par les troupes ukrainiennes, c'est que quand vous êtes dans une zone de guerre, le cyber, je m'excuse pour toutes et tous en vos titres et fonctions, mais le cyber, ça peut attendre. Ça peut attendre. Et c'est exactement la même chose qu'il y a quelques années quand on parlait de la guerre asymétrique. Moi, j'ai toujours dit, si vous avez eu l'occasion, comme officier de milice ou pas officier de milice, comme humanitaire, comme membre du CICR ou autre, vous avez pu aller dans certains endroits assez chauds, on vous explique que la guerre est maintenant devenue asymétrique, ça vous fait une belle jambe. Ça vous fait une belle jambe, parce que le vieil engin qu'on a vu de la Seconde Guerre mondiale, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Et vous avez eu, dans le conflit d'ex-Yougoslavie, pratiquement 50% des engins blindés qui ont fait des dégâts immenses dans les villes. On voit encore les traces de les séquelles, les stigmates de ce conflit dans les Balkans, en Bosnie ou ailleurs. Dites-vous bien que c'est des engins qui étaient des pièces de musée. Mais ça fonctionne encore. Donc ici, vous avez effectivement toute cette dualité, toute cette problématique du cyber. Est-ce que vraiment on est en présence aujourd'hui de conflits cyber ou est-ce qu'on n'a pas vendu un petit peu la mèche, on a,
On a vendu commercialement ce cyber pour investir dans certaines unités ou dans certains matériels. Alors je ne le pense pas, et puis je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vous ai dit, ou on vous a dit que je travaillais pour un certain nombre de personnes, alors je me permets ici d'expliquer pourquoi je suis là. Je ne représente ni l'État de Genève, ni d'ailleurs l'Université de Genève ou qui que ce soit d'autre. Je parle en mon nom et donc toutes les erreurs que je vais commettre durant ces 9 minutes et 30 secondes à suivre sont miennes, je les assume totalement. Je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que je suis très fier de Maxime Giraud, que je félicite de l'organisation de cet événement et de tous les autres qu'il a organisés, parce que Maxime Giraud a été un de mes étudiants, et donc je suis là à titre personnel et très fier. Voilà, quand vous avez quelqu'un que vous avez coaché, vous avez essayé de faire de bonnes choses, et que vous voyez quelques années plus tard ou quelques mois plus tard déjà les résultats de ce que vous avez fait, eh bien voilà, c'est une immense fierté que de pouvoir être là dans cette capacité-là. Encore une fois, j'assume à titre personnel ce que je dis ici, je ne représente personne. Pour parler de la guerre cyber, je crois qu'il faut bien comprendre une chose, et pour comprendre cette chose, il faut regarder ce collage, ce montage informatique, parce que je pense qu'il nous fait réfléchir à ce que peut être la guerre cyber. Je n'ai pas dit ce qu'est la guerre cyber, ce que peut être la guerre cyber. C'est un fake. Tout le monde sait que j'ai des ambitions démesurées de devenir commandant d'un éventuel porte-avions à propulsion nucléaire de la marine suisse. Enfin, il y a une rumeur qui circule, mais je trouve l'idée assez sympa. Je ne fais pas de golf, mais je trouve l'idée assez sympa personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que cette photo, pour moi, elle représente une journée très précise, la journée du 16 août 2010. La journée du 16 août 2010, j'étais dans les couloirs de la rédaction du téléjournal, la tour de la RTS à Genève. Et puis, vous imaginez qu'il se passait beaucoup de choses ce 16 août 2010, parce que c'est le matin ou le jour où un tremblement de terre terrible a eu lieu sur une petite île très loin de chez nous, qui s'appelle Haïti. Et parmi la confusion de toutes ces nouvelles qui arrivaient vers nous, donc 2010, c'était avant que le rapport sur la politique de sécurité évoque qu'il pourrait y avoir un truc qui s'appelle cyber, hein, juste pour qu'on soit bien clair. Donc 2010, tout le monde est en effervescence, c'est une ruche, on reçoit des informations, mais les informations ne sont pas claires, on ne sait pas qui est mort, qui est encore là, qu'est-ce qui tient la route. Il y a des dépêches, il y a des politiques, des ministres qui parlent, des anciens ministres, des gens de la communauté haïtienne en Suisse qui ont des choses à dire sur le fait que les gens là-bas sont des incapables, etc. Enfin bref, on se perd dans plein de conjonctures. Et au milieu de tout ce chaos médiatique, arrive une dépêche, une nouvelle, qui dit la chose suivante. Le gouvernement américain, la marine américaine, envoie à Haïti un groupe aéronaval avec deux porte-avions à propulsion nucléaire, un peu comme celui que vous avez ici, pour venir en aide à la population. Comment a réagi immédiatement, instantanément, le gouvernement haïtien ? C'est une bonne nouvelle, c'est une pas bonne nouvelle. Je vais vous le dire, c'est une pas bonne nouvelle du tout. C'est une pas bonne nouvelle du tout quand une île qui a gagné durement son indépendance, dans son discours politique cultive une certaine paranoïa vis-à-vis de l'oncle Sam, qui régulièrement se fait du souci que des parachutistes américains viennent faire du maintien de la paix ou du contrôle d'élections ou de je ne sais quoi, je peux vous dire que le gouvernement américain, à peine quelques minutes après cette annonce, a communiqué en disant « Nous n'autorisons pas ces navires de guerre de la marine américaine de pénétrer dans les eaux territoriales de Haïti. Ils n'ont rien à faire là, on n'a pas besoin d'eux. D'ailleurs, on n'a pas appelé la marine américaine ou le gouvernement américain à l'aide. » Et du coup, il y a eu un espèce d'enchaînement de nouvelles à l'intérieur
des différentes rédactions. Je n'ai rien contre les journalistes, bien au contraire. Mais tout le monde s'est vraiment surfé sur cette vague en disant « Mais les Américains vont vraiment envahir l'île, ils vont faire comme en Somalie, ils vont venir distribuer des MREs aux locaux, etc. C'est terrible, ils vont envoyer des avions de chasse, etc. etc. » etc. Et puis je regardais tous ces gens s'auto-alimenter avec ces nouvelles, s'exciter les uns les autres. Et puis tout d'un coup, il y a un mot qui a fait un petit déclic. Et puis ce petit déclic, ceux qui ont été mes étudiants n'ont pas le droit de répondre à cette question. À votre avis, pourquoi est-ce que la marine américaine a envoyé sur place à Haïti, en plein tremblement de terre? On n'est pas en train de parler d'un défi sécuritaire, ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas un problème de sécurité, d'armes ou de quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que les Américains ont envoyé ce groupe aéronaval sur place? Non, parce que vous pouvez avoir un bateau plus petit. Je ne suis pas un marin, il y a des marins plus expérimentés que moi au premier rang. La marine suisse a de bons capitaines. C'est vrai en plus, c'est vraiment vrai. Moi je suis un faux capitaine de bateau, mais il y a des vrais capitaines de bateau au premier rang. Non, c'est pas ça. On peut avoir un bateau plus petit avec des antennes satellites pour relayer les communications. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une réponse très suisse. Le contrôleur des travaux finis qui vient pour vérifier si ça a bien secoué. Non. Autre hypothèse de travail. Voilà, c'est la faute des Russes. Pardon, les Cubains, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. Je vais vous le dire, alors, si, à moins qu'il y ait vraiment une dernière hypothèse créatrice. Ces deux porte-avions à propulsion nucléaire, 98 000 et des poussières tonnes, contiennent chacun deux centrales nucléaires. Avec ces donc 4, 2 fois 2, 4 centrales nucléaires, eh bien vous pouvez désaliniser toute l'eau nécessaire pour la population haïtienne. Donc, ce n'est pas une question de transport d'hélicoptères, de déchargement, de biens logistiques pour venir au secours de la population qu'on transporterait avec des avions ou avec des hélicoptères, etc. C'est pas les hôpitaux, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour une ville de 5000 habitants, donc vous avez les coiffeurs, les hôpitaux, vous avez tout ce qu'il faut. C'est pas ces navires-là qu'il fallait engager pour ce type de mission. Mais par contre, pour fournir le courant et l'eau potable nécessaire, eh bien, pendant les premiers mois de cette situation exceptionnelle, eh bien, ce sont ces navires de guerre qui ont alimenté la population haïtienne en eau potable. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le cyber? Alors, je vais vous donner maintenant la conclusion de dans 10 minutes, de manière à ce que Jérémy Sédou puisse m'éteindre à n'importe quel moment, m'interrompre, ce sera plus simple pour tout le monde. Je vous donne maintenant la conclusion. En fait, le cyber, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et si on pense que c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'on n'a rien compris. On a compris 10% des possibilités du cyber. Parce que si vous rajoutez une couche cyber par rapport à tout ce que font les forces armées au monde, et vous dites que les cyber doivent neutraliser les cyber d'en face, comme l'aviation bleue doit neutraliser l'aviation rouge, comme l'artillerie bleue doit neutraliser l'artillerie rouge, là vous êtes dans une logique purement symétrique, et bien vous allez utiliser seulement 10% des possibilités que vous apporte l'arme cybernétique. Ce qui est vraiment utile, et là où on aura vraiment des conflits cyber, c'est pas quand on va rajouter une couche de cyber par rapport à tout ce qu'on fait déjà avant. Là où on aura vraiment des conflits cyber, c'est quand on se rendra compte que le cyber peut avoir des effets qui n'ont rien à voir avec le cyber. Et là, ça va devenir très grave et ça va devenir très dangereux. Donc, la moralité de cette histoire, un peu comme cette image nous le présente ici, on va continuer à avoir des porte-avions pendant les 100 prochaines années. On va continuer d'avoir des chars de combat pendant les 100 prochaines années. On va continuer de construire des ponts par le génie pendant les 100 prochaines années.
On va continuer de faire de la soupe dans des cuisines mobiles pendant les 100 prochaines années et probablement bien au-delà. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est comment vous utilisez demain les outils d'aujourd'hui ou les outils d'hier. Le porte-avions, c'est une invention de la Première Guerre mondiale ou juste avant la Première Guerre mondiale. On va continuer à utiliser des porte-avions, mais dans des rôles, dans des tâches, dans des fonctions qui n'ont absolument pas été imaginées au départ pour des porte-avions. C'est la même chose pour les chars de combat, c'est la même chose pour les sous-marins, parce que ce que Gérald Vernet ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est que la première mission des sous-marins à propulsion nucléaire aujourd'hui, c'est le renseignement. Ce n'est pas de torpiller quoi que ce soit, il n'y a pas eu beaucoup de torpilles tirées, sauf lors d'essais ces 10, 20 ou 30 ou 40 dernières années. Aujourd'hui, la principale fonction de ces outils, de ces effecteurs, c'est le renseignement. Donc, il faut se poser la question, avec les mêmes outils militaires classiques, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans? Alors, le conflit en Ukraine. Les gens sont surpris qu'il y ait un conflit classique, conventionnel en Ukraine. Eh bien, si vous regardez ce graphique qui vous montre l'évolution du nombre de conflits depuis, je vais me rapprocher pour lire, mais enfin on est 1946, ça tombe bien parce que 1946, c'est la signature de la charte des Nations Unies. Donc voilà, il ne devait plus y avoir de guerre conventionnelle en 1946. Eh bien, vous voyez qu'on s'est un peu raté. On s'est un peu raté, les conflits continuent, il y a toujours autant de conflits. C'est vrai qu'on a pu dire, durant les années 1990, il y a plus de conflits, il y a plus de guerres civiles qu'il n'y a de guerres entre États. Et on part de l'idée, c'est une supposition, on part de l'idée qu'un conflit à l'intérieur d'un État est un conflit limité. Alors, pour avoir testé les uns et les autres, je ne suis pas absolument convaincu que ce soit le cas. Mais ça reste à discuter. Deuxième chose, il y a une myopie du droit international. Les conventions de Genève ne reconnaissent que des conflits armés internationaux, les guerres, et puis des conflits, des guerres civiles, des conflits armés non internationaux. Le problème avec cette ribambelle rouge de guerre civile, c'est que vous avez une guerre civile dans un pays, et vous avez probablement une autre guerre civile qui se passe dans le pays d'à côté, et on ne fait pas forcément le lien que ce sont les deux États qui se font la guerre par proxy. Je crois que Jean-Marc Riquelis va parler probablement de ce genre de sujet. Donc en réalité, on déguise, on camoufle des guerres entre États de manière de conflit civil. Ce qui est plus préoccupant ici, c'est la partie en bas du tableau. On a pu dire que les conflits entre États sont pratiquement éteints, ça n'arrive plus, ça n'existe plus. En réalité, vous avez la partie noire ici qui est en augmentation depuis les années 2000, en fait 2005, et on va dire ce qui s'est passé aussi bien en Syrie qu'en Ukraine. C'est ça le grand déclencheur des nouvelles guerres entre États. Je crois que le rapport sur la politique de sécurité le dit mieux que je ne pourrais le dire avec mes propres termes. Il dit finalement aujourd'hui, c'est une banalisation, c'est une généralisation de l'emploi de la force militaire. C'est un outil comme les autres, comme la diplomatie, comme la guerre économique, etc. Donc on voit que ces conflits sont en train de se multiplier. Et ne vous leurrez pas, quand on parle de cyberguerre, j'ai bien aimé l'image de Patrick avec le gars dans sa cave et sa pizza. Pourquoi le gars d'ailleurs? Ça peut être une nana. Bon, alors ça peut être un ou une avec sa pizza, etc., sa boule de Berlin, enfin peu importe, il faut vous imaginer que cette image, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, et les vrais sponsors de ce type d'opération, ce sont des États, il faut appeler les choses par leur nom. Et c'est vrai qu'il y a de grandes corporations, de grandes entreprises, mais fondamentalement, la volonté d'effectuer quelque chose, elle vient en principe des États. Alors je vous montre, puisque Gérald Vernet m'a branché sur le métal, il n'y a pas de problème, hein, je vous fais un concert de heavy metal quand vous voulez, peut-être un jour où j'ai récupéré ma voix. Je voulais vous montrer cette photo parce que c'est vrai que quand vous regardez les images qui nous viennent d'Ukraine, on ne voit pas beaucoup d'opérateurs sur des claviers, on ne voit pas beaucoup de cyber. Hein. On voit des avions abattus, on voit des missiles tirés, on voit des chars qui ont été détruits, enfin on voit quand même des choses extrêmement classique. Et ça nous interroge, est-ce que ce conflit, il est particulier en Ukraine? C'est une hypothèse. Est-ce que l'Ukraine est finalement
pas suffisamment technologiquement avancée? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de réseaux de manière à ce que ce soit avantageux ou utile d'utiliser des actions cyber contre l'Ukraine? Alors moi, je ne le crois pas. Je crois que les problématiques ou les questions sont un petit peu différentes. Vous voyez ici une carte qui vient de l'état-major général ukrainien, qui date des premiers jours du conflit. Les flèches sont fausses, hein, ne surinterprétez pas cette carte. Mais enfin, j'aimerais quand même rappeler, vous avez des opérations militaires qui sont menées par un corps de bataille russe d'environ 200 000 militaires. C'est à peu près le même contingent que les Américains et les coalisés ont utilisé en 2003 à l'époque de l'invasion de l'Irak. Et puis c'est à peu près le même effectif, la même quantité de forces qui sont entrées en Bosnie-Herzégovine en 1995 et au Kosovo en 1999. À peu près dans cette même enveloppe de forces. Donc ce sont des forces tout à fait considérables. C'est pratiquement l'ensemble des forces militaires qui étaient basées en Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est vraiment beaucoup de forces. Et si ce conflit dure, eh bien vous allez voir un renouvellement de ces forces importants. On peut dire qu'il y a pratiquement 70% des forces terrestres de l'armée russe qui ont été engagées à un titre ou à un autre dans ce conflit. Donc en termes de masse d'efforts et de heavy metal, comme l'a dit Gérald, on est quand même dans du très très lourd. Alors où est le cyber dans tout ça? Eh bien, le cyber, il est présent dans deux manières. Vous avez d'une part les actions cyber préalables, c'est-à-dire que vous avez eu pendant pratiquement 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, toute une série d'actions qui ont visé à neutraliser, déstabiliser la situation politique en Ukraine. Alors après, je ne suis pas la meilleure personne pour vous dire, pour apprécier si ça a fonctionné ou si ça a échoué, mais enfin, les attaques contre les banques, les attaques contre les réseaux ferroviaires et autres, ce sont des choses qui ne datent pas d'hier et qui ont eu pour effet une certaine désorganisation, en particulier logistique, de l'armée ukrainienne et de sa formation, en particulier des levées de troupes de sa garde nationale, donc des miliciens. Et puis vous avez aussi d'autres actions qui sont très très visibles aujourd'hui dans le domaine cyber, mais qui ne sont pas dans le domaine cyber traditionnel, c'est-à-dire elles sont visibles surtout dans le domaine de l'information et des médias. En d'autres termes, puisqu'il y a quelques jours, beaucoup de pays européens ont décidé de bannir RT, Sputnik, des médias russes ou russophones, des chaînes ou de la diffusion en Europe de l'Ouest, eh bien vous avez pu constater que 48 heures plus tard, tout d'un coup, vous avez un certain nombre de sites qui bourgeonnent et qui apparaissent et qui s'appellent strategic quelque chose, qui se disent neutres, mais qui en réalité sont bien sûr fournis ou alimentés par des opérateurs et des informations d'origine russe. Voilà. Où est le cyber dans le plan de bataille de l'armée russe? Vous avez la personne en haut à droite qui est le général Gerasimov, qui est le chef de l'état-major général russe. C'est lui qui a mis au point les opérations militaires pour l'attaque de la Géorgie en 2008, et puis plus récemment, bien sûr, pour ce conflit aujourd'hui en Ukraine. Alors il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez chercher parmi les différentes lignes d'opération, les différentes phases sur les documents russes, vous ne trouverez aucune mention de ligne d'opération cyber. En fait, pour les Russes, il n'y a pas d'opération cyber, il n'y a que des opérations d'information. Je dirais que ça, c'est une énorme différence entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, on considère qu'il y a des opérations cyber, ça veut dire qu'il faut des Gérald Vernet, ça veut dire qu'il faut des gens, disons, qui soient des spécialistes du cyber pour produire des effets cyber. Et à côté de ça, il faut des gens qui travaillent dans le domaine de l'information. À côté de ça, il faut des gens qui travaillent dans le domaine aérien. À côté de ça, il faut des vautravers pour travailler sur Terre. Personne n'a rigolé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bientôt terminé.
Les Russes ne sont pas du tout dans cette logique-là, ils sont dans une logique très différente. Le cyber fait partie des opérations d'information. Et donc là où les Russes vont utiliser majoritairement le cyber, c'est pour gagner ou conserver une certaine supériorité dans le domaine de l'information. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage entre nos perceptions occidentales du cyber et puis la perception russe du cyber. Est-ce que le plan de bataille russe est un bon plan ? Alors, je vous le dis très simplement, non, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose de fabuleusement extraordinaire. Les Russes ne sont pas meilleurs que les autres. En fait, ce type de planification, on appelle ça Effects-Based Operations, EBO, en fait, les Russes ont juste copié les documents américains du milieu des années 1990. Ils les ont simplement appliqués, peut-être avec un petit peu plus de rigueur que dans les pays occidentaux. J'en viens à ma conclusion, et la Suisse dans tout ça. Je ne vais pas affliger, je ne vais pas accabler, je ne vais pas démolir le rapport sur la politique de sécurité de la Suisse. Il est ce qu'il est, il a certainement des qualités quelque part. Il a aussi un certain nombre de défauts, pas autant que les précédents, mais enfin voilà, peu importe, on fait avec ce qu'on a, ce n'est pas tellement ça le problème. Mais pour la Suisse, ça veut dire quoi les opérations cyber ? Ça veut dire la chose suivante. Premier point, les nouveaux risques, les nouvelles menaces ne remplacent pas les anciennes. On a rajouté une couche cyber, il y a des vulnérabilités qui sont visibles, il faut faire quelque chose pour limiter ces vulnérabilités, il faut trouver des parades, il faut trouver des solutions dans ce domaine, mais certainement pas en prenant des ressources qui sont déjà utilisées pour répondre à d'autres types de risques ou à d'autres types de menaces. Ça, c'est une première chose. Donc, les nouvelles menaces ne remplacent pas les anciennes, les précédentes. Et puis, le deuxième point que l'on peut dire, et puis c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, c'est que finalement, le char de combat a fêté ses 100 ans en 2016. On va continuer à fabriquer des chars de combat. Je vais vous le dire pour une raison très simple, pas parce que j'ai une affection particulière pour cette arme, mais pour une raison très simple. C'est que si vous mettez aujourd'hui 4 ingénieurs autour d'une table et vous leur dites... Trouvez-moi un système qui puisse se déplacer sur le champ de bataille sans être mis KO la première fois qu'on lui tire dessus et qui puisse en même temps agir efficacement, j'entends pas dans 3 semaines, aujourd'hui les ingénieurs vous dessineraient quelque chose qui est grosso modo le char que l'on connaît depuis quasiment 1917, avec quelques petits raffinements et quelques adaptations près. La même chose pour les sous-marins, la même chose pour les porte-avions, et bien sûr, la même chose pour les avions de combat. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on est en train d'acheter des avions de combat pour mener uniquement des opérations aériennes. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Et encore une fois, il faut voir le conflit cyber, les actions, les opérations cyber, dans une optique beaucoup plus large. Quels sont les effets que vous pouvez produire avec ces outils cyber ? Pour la Suisse, qu'est-ce que ça veut dire ? Un des énormes avantages du cyber, c'est la problématique de la traçabilité, c'est-à-dire que ça devient très difficile de savoir qui a initié une action dans le domaine cyber. Deuxième avantage d'un pays, d'un petit État, d'un petit pays comme la Suisse, ça ne dépend pas véritablement du budget. Il y a une masse critique à atteindre, mais ensuite, si vous investissez 2 fois, 6 fois, 10 fois plus, vous n'allez pas nécessairement produire 2 fois, 6 fois, 10 fois plus d'effets. Donc pour un petit État, c'est intéressant. Troisième chose, il n'y a pas véritablement d'importance de la géographie, de la topographie ou de la distance. C'est-à-dire que depuis la Suisse, si vous voulez agir dans le nord de l'Europe ou dans le sud du continent américain, vous pouvez le faire, alors que vous pouvez avoir les meilleurs avions de combat, les meilleurs sous-marins, les meilleurs patrouilleurs sur nos lacs. Ça va être difficile d'aller jusqu'aux Malouines avec nos moyens propres. Donc voilà les messages que je voulais vous donner. La guerre cyber, on ne la voit pas véritablement sur les images de la guerre en Ukraine, mais je peux vous assurer qu'elle est bel et bien présente. La guerre électronique est bel et bien présente. La guerre aérienne est bel et bien présente. Et puis bien sûr, on casse du char, mais ça on sait faire. Il y a toutes ces dimensions-là, mais il y a aussi, si j'ose dire, toutes les autres. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas uniquement cloisonner le cyber dans un domaine bien particulier, mais de se rendre compte de tout ce que l'on peut faire pour protéger et puis pour agir avec le cyber. Merci beaucoup.